noms de notes. Nous te voyons gagner 7 noms de notes en musique. 7 noms de notes qui c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. 7 noms de notes. Il y a plusieurs façons non de notes capable écrire. Ça, c'est une façon. C'est la notation française. Il y a une autre notation qui est en notation anglo-saxonne qui est représentée par des lettres majuscules. Pour Do, c'est la lettre C. Depuis moi, C en musique, c'est Do. Pour Ré, c'est la lettre D. Pour Mi, c'est la lettre E. Pour Fa, c'est la lettre F. Pour Sol, c'est la lettre G. Pour La, c'est la lettre A. Pour Si, c'est la lettre B. Nous te voyons aussi cette question de clé. Clé en musique, il dit c'est un signe qui est là pour permettre que nous identifions chaque ligne qu'on a emportée. Naturellement, dans un morceau de musique, ça qui pourrait permettre que nous lisions une partition, c'est lorsque nous connaissons que chaque ligne est ou non. Mais pour que moi arrive à identifier non ligne avec interligne, faut que moi gagne ça une clé et qui doit placer dans commencement portée. C'est clair qu'a dit mais comment telle ligne relée, comment telle interligne relée. Il y a trois types de clés. Il y a clé de sol, clé de fa, clé de do ou du. Parmi ces trois clés, les deux clés les plus utilisées et que nous pourrons mettre plus accent sur eux, c'est la clé de sol qui se fait comme ça. Ça, c'est la clé de sol. Et la deuxième clé, qui est la clé de fa, qui se fait comme ça. Un point tout d'abord. Un C à l'envers. Et deux points derrière. Ça, c'est la clé de fa. Clé, il y a deux façons de écrire. Nous avons écrit clé comme ça. C'est L-E-F. Donc, on va écrire avec C-L-E, accent aigu. Donc, ces deux clés, c'est yo, nous pouvons mettre plus accent sur yo. Et nous pouvons voir avec ces deux clés comment nous sommes capables de lire une partition. C'est très, très, très important.